Tu t'es perdu, gamin. Si tu vas par là, tu dois savoir que c'est pour un public averti. Comment ça, c'est quoi un public averti? T'as moins de 16 ans, tu évites de regarder. N'oublie pas que Danganronpa est une propriété de Spectionsoft. Tu veux vraiment voir l'épisode, hein? Bon, je t'aurais prévenu. Bon, ça te convient comme ça? J'ai ça en stock, mais suffit que quelqu'un mette la main dessus et tu vas te faire choper. J'ai que ça à foutre de toute façon. En gros, les armes sont cachées, mais accessibles pour tout le monde. Ton avantage est de ne pas avoir à les chercher. Deux petits, mais... ça commence à te donner un trop gros avantage si jamais il n'y a que toi qui en possède un. Même pas 7 heures, je suis complètement crevé, c'est insupportable. Et cette ambiance, Luigi a craqué en 3 jours pour faire un meurtre, et maintenant on nous annonce la présence d'un traître prêt à nous tuer de n'importe quand. Et la dispute d'hier, ça s'est arrêté au mot, mais il ne faudrait pas que ça aille plus loin. Il faut trouver un moyen de sortir, ou au pire, trouver un moyen de gagner du temps. Il doit bien y avoir des gens à l'extérieur qui nous recherchent. Bon, direction le réfectoire, ça ne sert à rien d'attendre que le réveil sonne. Tu as trouvé ça où? Bah, c'était posé sur la table, je me suis servi. Si tu pouvais poser ça, ce serait pas mal, hein. Eh, pep, je l'ai trouvé, c'est à moi maintenant. Fallait venir plus tôt. Il se passe quelque... Angel, ce n'est pas amusant. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Un pistolet. Tu l'as obtenu dans un Kinder Surprise, ton ultime. C'est pas ce que je veux dire. Pourquoi t'as ça? Bah, c'était posé là quand je suis arrivée, donc je me suis dit que c'était un petit supplément pour notre séjour. Bon, je vous cache pas que j'aurais préféré des cookies. Bah, y'a peut-être un moyen de faire un échange, non? On va demander à Romain d'en faire. Oh, bah non, il est mort. Hey, mais on a Monopic. Même pas en rêve. Il a essayé de me refourguer des cookies au raisin hier soir. Si je le revois, il prend une putain de balle. Arrête de bouger comme ça, un coup pourrait partir. Il y a de sécurité à deux risques. Non mais, je sais enlever la sécurité, hein. Mais c'est quoi ce bord... Oh. Maxime, aide-nous à la convaincre de poser ça. Eh ben super. C'était quoi ce bruit? Angel, tu... Non mais, vous avez jamais vu d'armes? À titre personnel, si, mais dans une tuerie et surtout entre tes mains, tu avoueras que c'est préoccupant. Mais je vais tuer personne, je m'amuse juste un petit peu. Tiens, Enzo, va me préparer des cookies. Ah, mais pourquoi moi? Oui, madame. Tout de suite, madame. Je crois que je vais garder... Ah, mais tu vas me lâcher? Je vais te lâcher, mais avant ça... Polo, prends l'arme et mets la sécurité. Pour cela, il suffit que... Je sais utiliser une arme, pas besoin d'explication. On peut même plus s'amuser. Bon, tu te poses sinon.
On en fait quoi? Jette-la dans le canal. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. T'es pas vraiment en position de nous suggérer quoi que ce soit, là. Les bravos. Mais il y avait une notice avec l'arme. C'est sur la table. Interdiction de détruire l'arme. Pour les munitions, demandez à Monopic. Mais c'est trop dangereux de garder ça. On peut faire autrement. Polo, planque-la. Pardon? Si on ne peut pas la détruire, il ne faut pas que quelqu'un puisse l'utiliser. Et tu la planques où? Choisis toi-même, autant que personne d'autre ne le sache. Je suis d'accord, et parmi nous, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est toi qui devrais en être responsable. Je peux la planquer si vous voulez. Non! Aucun fun. Bon, ok, on prévient les autres? La règle de l'arme n'est pas dans le monopade. Autant garder secret qu'une arme à feu traîne ici. Ça me va, on préviendra juste Enzo et Maxime pour ça. Par contre, on ne leur dit pas qui cache l'arme, surtout à Maxime. Oh bah c'est dommage ça quand même, j'ai écouté aux portes, ça sera pas possible. Bon, mais sinon j'y vois aucun problème. T'as confiance en Polo? Bah attends, il est trop fait pour tuer qui que ce soit lui. Au moins ça montre que t'as confiance en lui. Et si quelqu'un meurt par balle, t'es le premier suspecté, bien évidemment. Tu me dis trop faible mais t'as quand même peur. Peur de ta connerie surtout, un coup est si vite parti. Tiens, vous êtes là, Maxime et Kuro? Monobu m'a sollicité votre présence? Je me dis qu'un peu de temps avec vous pourrait pas me faire de mal. Et avec un trait parmi nous, je préfère rester avec le groupe, tu vois. Alors, vu ce que je me suis pris dans la gueule hier soir, je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de passer du temps avec vous. Oh, trop bien! Maxime joins the battle! Afin de prouver que ça ne changera rien à la situation actuelle. C'est pour garder le même comportement, tu peux partir, on te retient pas. Rectification, tu ne me retiens pas, et au besoin, tu es la seule qui te plaint à nouveau. Mais c'est toi qui as une fin d'inflexion à peine arrivée! Vous n'allez tout de même pas recommencer. Angel, je suis vraiment désolé, mais je trouve pas Monopic, il a dû... Enfin, tu peux me laisser un peu de... Il n'y a plus de soucis, Enzo, je t'expliquerai plus tard. Plus de soucis, plus de soucis. Parle pour toi, car en attendant, j'ai pas mes cookies. Oh, t'étais sur ma tête, toi. Polo, redonne-moi l'arme juste 5 secondes, le temps que je la réduise en miettes. Non mais je piche pas, je t'ai déjà dit. Bon allez, je vais faire ma bonne action de la journée, aller voir ailleurs faire plaisir à l'autre. Ah plus. Attends un peu, je vous ai pas donné les clés hier. Monopic, file-leur les 3 clés. Bon, si tu nous donnes les clés 3 par 3, on n'est pas prêt de tout découvrir. Hein. Une des clés ouvre indirectement 4 pièces, donc ne t'inquiète pas pour ça. On n'a pas besoin d'autres clés de toute façon. On trouvera un moyen de sortir avant qu'un prochain meurtre ait lieu. Mais oui, bien sûr. Bon, file-leur les clés. Ah, j'en ai vu une qui pour moi ouvre forcément un cinéma. Vu le motif, c'est une certitude. Mais où est-ce qu'il peut se trouver? Y a pas tant de pièces fermées non plus, suffit d'essayer, on trouvera bien. J'ai une meilleure idée. Jacques, prends la clé et essaye là où tu veux. Pas de soucis, allez, on va chercher ça. J'ai déjà vu ce drapeau quelque part. Ah oui, la tour dans le petit bois. Vu la gueule de la tour, on n'y trouvera rien. Bah, ça mérite quand même un petit coup d'œil. Bah, démarre-toi tout seul. Bon, les escaliers, c'est la cave. Ils me font plutôt penser aux escaliers à côté des salles de classe. Oh, et comme Monobu m'a indiqué qu'une clé en ouvrait plusieurs, ça doit donner accès à l'étage du bâtiment, et donc les 4 salles de classe à l'étage. Mais j'en ai marre, c'est vraiment de la merde, votre coin. C'est maintenant que tu le remarques. Oh, je t'ai pas sonné, toi. Bon, on va fouiller les salles de classe. Et personne veut venir à la tour? On s'en fout de la tour. Ne t'inquiète pas, on ira après, Ivan. Autant se mettre ensemble pour fouiller les salles de classe. Mais ensemble, tu me comptes également? Mais bien sûr, vu qu'apparemment c'est moi qui agis au quart de tour pour rien, je peux pas te priver de visiter les nouveaux lieux avec nous. Ah, ça vous dérange pas si je vous rejoins après? J'ai un petit truc à faire. Comme tu veux. Badaboum! Yeah.
Ah, yes, Monopic. Bon, Monoboom. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah enfin. Bah, hier, tu m'avais dit que tu m'apprendrais le Monopic. Rectification, j'ai dit que je verrais. Bah c'est vu, du coup. Alors, comment on fait? Ah, c'est compliqué à expliquer. Plus simple sera une démonstration. Sauf que tu viens de casser le quatrième mur, là. Casser le mur? Oh, il veut nous aider à sortir. Raison de plus d'apprendre. Pour ça qu'il est là en même temps. Bon alors, comment faut faire? Il faut être concentré sur l'intonation qu'il utilise. Et ensuite se répéter dans la tête ce qu'il vient de dire. Oh, j'ai compris. Ah bah tu vois. Repose en spaghetti. J'ai pas bien compris le sens de la phrase par contre. Ouais, le sens de la phrase. On va dire que ce n'était pas trop loin. Bah je manque d'entraînement aussi, il faut qu'on parle plus. Ouais, bah tu feras ça plus tard. Là il fait la vaisselle. Ah c'est lui qui fait la vaisselle. Comme tous les matins après votre petit déjeuner, car dans mon état ça ne risque pas d'être possible. Je ne pense pas qu'un d'entre vous souhaite la faire. Au même titre qu'aucun d'entre nous ne fait s'entretuer. Bon, je vais t'aider un peu mon petit pote, comme ça on pourra causer sans que le chef râle. Ah, et faites comme vous voulez. Bon, il y a 4 salles de classe, on se les répartit? On est 9, faites 2 groupes de 2 et nous on reste entre filles. Il y a énormément de matériel ici, du matériel de chimie, des plantes, des bouquins. Oh, il y a même des poissons, regarde. Ah, c'est marrant, j'en ai jamais vu cette couleur. Ça me rappelle quelque chose, ces couleurs. Un Lujan noir, original comme nom. Oh, il y a quoi d'autre? Plein de bouteilles, poison instantané, sirop pour la toux, poison retardement. On ferait mieux de planquer tout ça, hein. Et toi, de ton côté? Bah, ici, énormément de plantes, il y a les étiquettes qui vont avec, effets sur les insectes, le teint, la respiration, rhume, anesthésiant, provoque des courbatures. Ouais, il y a des bonnes plantes au cas où, hein, mais il y a énormément de saloperies. Aucune n'est mortelle, mais plein d'effets secondaires néfastes. En fonction de la personne, ça peut le devenir, hein. Je sais pas si parmi nous, il y en a un qui fait de l'asthme, mais cette plante peut lui être fatale. Difficulté respiratoire. Par contre, il y a énormément de bouteilles, et la plupart sont mortelles. D'ailleurs, les plantes et bouteilles sont toutes numérotées 1. Oh, leur nombre d'exemplaires, sans doute, hein. Mais au pire, on a qu'à les détruire tout de suite, hein, comme ça, aucun souci. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça? Car le chiffre indique le nombre de fois que j'ai dû remettre la plante. En gros, si vous les cassez toutes, je les remettrai avec un chiffre 2. Et tu en as combien en stock? Sur place? Pas plus de 1000, je crois. Bon, faut que j'envoie Monopic remplacer la plante qui vient d'être cassée. Bon, aucun intérêt de les détruire du coup. Raph, ça va? Je me sens pas très bien là. Oh merde, la plante! Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Facilite la digestion, aucun effet secondaire, mais pourquoi ça te fait un si mauvais effet? Je sais pas. Ah, ça prend la gorge, je respire mal. C'est quoi le nom de la plante? Fleur d'artichaut, je savais pas que. Artichaut? Mais je suis allergique! Vite, appelle un médecin! Et je l'appelle comment le médecin? Il doit bien y avoir un truc contre ça. De mémoire. Y a rien. Il faut quelque chose pour mieux respirer. Y a pas de ça ici. Déjà je vais te loigner des pollens pour pas que ça empire. Et donc tu vois, c'est pour ça que je pense qu'elle a... Ne pars pas mon pote. Hein, salut Polo, salut Ivan. Attends, c'est pas Ivan? Hey Raph, pourquoi t'as la même couleur qu'Ivan? Il est en train de faire une réaction allergique à cause d'une plante. Mais comment il a fait? Monoboom lui a fait peur et... Oh j'y pense! Monoboom! On m'a... qu'est-ce que vous faites? Tu lui as fait respirer le pollen d'un truc dont il est allergique. Il faut que tu le soignes, sinon ça reviendra au fait que tu l'aies tué. Hein? De quoi? Bon attends, je... Mais il s'en fout! Il a provoqué la mort de 4 d'entre nous, donc je suis pas sûr que ça demeure à sauver Raph. Je vais essayer de voir avec... De la ventoline, parfait. Raphaël, respire calmement et prends une inspiration.
Eh, hey, fais pas comme dans les films, tu sais, je t'ai pris l'inspiration. Ça sert à rien, sinon. Tu sais comment t'en servir? Ouais, ça m'arrive de faire des crises d'asthme, donc j'ai normalement une ventoline sur moi. Ça va un peu mieux, merci. Va passer de l'eau sur ton visage pour enlever les traces de pollen, et garde la ventoline avec toi. C'est rare de te voir aussi sérieux, merci Enzo. Y'a pas de code, mon petit pote. Pourquoi tu fouilles avec moi en fait? Car personne veut de moi, donc quitte à me mettre avec quelqu'un, il me fout avec le plus suspect. Pardon? Qui a dit que j'étais suspect? Et suspect en quoi? Oh, personne me l'a dit, mais pour sûr que si je finis avec toi, c'est quitte à ce que le traître tue, autant que ce soit moi. Mais d'où je suis le traître en fait? Mais garçon, t'es complètement con, t'as pas d'ultime, forcément que c'est que tu nous caches quelque chose. J'adore ta façon de penser, elle te ressemble bien. Ah, je vais rougir. Extrêmement simpliste. Oh, c'est pas sympa ça! Pas mon problème. Bon, on a énormément de cartes ici. Il doit peut-être y avoir un moyen de se repérer. Avec les vents, c'est faisable. Et vu le climat. Oh, tu parles trop, garçon! T'arrives à t'y repérer dans toutes ces cartes? J'y comprends que qui, moi! C'est vrai que j'y arrive plutôt bien. J'ai dû apprendre par le passé. Oh, rapport avec ton ultime, mon con! T'étais carton léologue! Carton Léo quoi? Ouais, t'as très bien compris. Bon, lis les cartes, moi je vais te dire que s'il y a pas une croix comme sur les cartes au trésor. Ouais, on sait jamais. Des fois qu'on serait pas les premiers ici, que quelqu'un nous ait facilité de travail. Écoute soldat, même si tu n'en as pas envie, il faudrait que tu sois plus aimable avec les gens. Consonne. C'est pas la réponse que j'attendais ça. Voyelle. Tu m'écoutes quand je te parle au moins? Bah ouais, faut bien que je parle des lettres que tu dis. Consonne. Mais pourquoi? Pour passer le temps sans avoir à te parler. Voyelle. Tu sais quoi? Laisse tomber. J'essayais juste de t'aider, moi, celle-là. Si ça peut t'aider à dormir la nuit, grand bien t'en fasse. Consonne. Bon, on a quoi ici? Des portes en métal fermées? Oui, avec un digicode d'entrée pour les ouvrir. Consonne. Ah oui, il y a un petit panneau de commande à côté. Bon, on s'amuse à tester des codes de pif. Code à 5 chiffres, une chance sur 100 000. Bonne ambiance. Pas sûr que ça soit une... Hey, tu as arrêté ton jeu là, non? Pour le bien de l'investigation, faut bien devenir sérieux par moment. Consonne. Bref, il y a une armoire juste ici. On peut toujours voir ce qu'il y a dedans. Avec un peu de chance, on trouve mon aspirateur en fantôme. Consonne. Pas grand chose. Ah si, un jeu d'échecs. Tu veux faire une partie? Vu que de toute façon, il n'y a plus rien à investiguer ici. Je pense que je préférerais passer une journée entière avec Johnny plutôt que jouer aux échecs. Non, merde, voyelle. J'aurais pensé que vu que tu es l'ultime mathématicien, les échecs, ça aurait été un jeu sympa pour toi. Mais oui, ultime, trop bien, bla bla bla, voyelle. Ouah, de la peinture! Comme c'est original pour une salle d'art. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à trouver ici. Pas de placard, pas de bureau, y a rien à cacher. Ah, peut-être dans les pots de peinture. Faut tous les ouvrir. T'as vu le nombre? Tu comptes trouver quoi dans un pot de peinture? Aucune idée, mais c'est marrant. Super. Alexia, ça va? Hein, moi? Oui, oui. Ça se voit que non. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me poses la question? Bah peut-être qu'on soit enfermés depuis 7 jours, que 4 d'entre nous se soient fait tuer de la pire des façons possibles, que je me sois emportée devant tout le monde face à Maxime. T'en veux d'autres, des raisons? Oh, eh bien, je... Excuse-moi, je ne voulais pas. Tu n'as rien fait de mal. Je suis à bout, c'est de ma faute. Mais t'inquiète pas. Lee, tu te souviens des filets de volée au gymnase? Je t'avais dit qu'on pourrait peindre les terrains si on avait de la peinture. C'est vrai qu'on a ce qu'il faut. Mais il faudrait trouver assez de personnes pour... Oh, ne redeviens pas pessimiste. Depuis quelques jours, tu semblais aller mieux et plus expressive. Donc c'est pas parce que tu t'es emporté face à nous que tu dois à nouveau te refermer. On va y jouer au volet, tu vas voir. Et avec tout le monde. Et tu sais, je pense qu'on est tous à bout, même si tout le monde ne le montre pas. Faire du sport ensemble, ça nous changera les idées. Et tu penses qu'on sera capable de réunir tout le monde? Il faudra trouver une bonne excuse pour courir Maxime. Mais les autres, ça devrait le faire.
Maxime ne semble pas nécessaire. Avec tout le monde, j'ai dit. Bon, Dieu, tu... Ah oh merde, j'en ai foutu partout. Ils sont vraiment pas pratiques à ouvrir leur peau. Même sans le vouloir, tu fais peur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me juges encore? Hein? Moi? Mais non, jamais je n'oserais. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Mais moi au moins, madame, j'ai vu ma vie comme je l'entends, sans me casser la tête. Tu devrais faire de même et te lâcher un peu plus. Ça fait un bien fou. Elle a raison. Et puis, si quelque chose te tracasse, alors viens nous en parler. Si quelqu'un te tracasse, je le fracasse. J'y penserai. Merci beaucoup, les filles. Non, non, remercie pas, enfin. Bon, maintenant, il faut ranger le bazar d'Angel. Avant que quelqu'un se blesse en glissant. Tout de suite, c'est forcément ma faute. Eh ben, super. Et comment t'es venue l'idée d'ouvrir le métro avec la clé du cinéma? Pourquoi je pose la question? Par contre, 4 salles de cinéma dans un endroit pareil? C'est qu'ils ont les moyens, les enfoirés. Oh, et il y a toute une vitrine de matériel ancien, c'est ouf! Des caméras de tous âges, des projecteurs, des jeux de lumière, des mégaphones, des jukebox? Oh, c'est décidé, je m'installe ici une fois cette tuerie terminée. Ah ouais? Tu comptes revenir dans ces lieux si on s'en sort? Bah, même si cette affaire me déplaît, j'ai bien envie d'en faire un film. Je n'ai encore jamais fait de film tiré d'histoire vraie, et je ne suis on ne peut plus inspiré pour résumer d'autres aventures. Ouais, enfin, faut être dans les 2 derniers survivants pour ça. Pas forcément, il y a 2 autres fins possibles. Bah, y'a le tueur qui peut gagner, ouais. Et la 3ème fin, c'est quoi? Ça, c'est à nous de l'écrire. Ouais. Oh, je sais! On arrive à mettre fin au jeu! Mais comment? Je viens de te le dire, c'est à nous d'écrire cette 3ème fin, celle qui n'est pas prévue dans le scénario. Donc seul l'avenir nous le dira, et je compte bien participer à l'écriture. Waouh, c'est beau. Bon, on fait quoi d'autre ici? On va pas aller tourner un film. Il y a ce qu'il faut pour, mais si ça peut intéresser le groupe, il y a un sacré nombre de films rangés ici. Il y a moyen de se faire des petites séances pour nous changer les idées. Ouais, mais t'as vu la gueule des titres? Y'a rien de connu, que des petits films. Pas besoin d'avoir une grosse réputation pour être un bon film. Je suis sûr qu'on y trouvera notre bonheur. Ouais, bah, plus tard. C'est donc ça que tu voulais me montrer? Mais tu sais, j'y connais pas grand-chose. Tu vois? Complètement inutile pour changer. La prochaine fois, tu m'écouteras. Bah, je voulais vérifier au cas où. Après, t'es sûr que tout essayer ne serait pas une bonne idée? On a que ça à faire. Le temps que tu vas chercher Polo, j'ai essayé un code aléatoire, ça m'a juste dit 3 tentatives restantes pour aujourd'hui. Donc, je vous fais pas le calcul précis, mais on frôle les 68 ans. Et rien à voir, mais t'étais pas avec Raphaël, toi? Si tu savais ce qui lui est arrivé... Non, ça ira. Bref, on fait quoi maintenant? On va voir ta tour, soldat? Autant aller voir, on sait jamais ce qu'on peut y trouver. Polo, ça va? Oui, ça va. T'as trouvé un truc? Pas sûr, tu n'as vraiment aucun moyen de nous ouvrir cette porte? Faut que je vérifie un truc, mais avant... 2 tentatives restantes pour aujourd'hui. Bon bah, c'est pas un 2, 3, 4, 5. Mais sale malade, gâche pas les essais! Bref, touchez pas ça, je tente un truc une fois au calme. Tu penses pouvoir l'ouvrir? À condition que tu la fermes. Bref, j'ai pas suivi à fond les cours d'info, mais je me démerde. Je vais essayer de craquer le truc, mais d'abord la tour. Salut, on a rien trouvé, les fils sont cassés! Enfin, rien pour l'instant, mais il y a moyen de trouver des trucs avec toutes ces cartes. Je vais y passer des journées s'il le faut. Ok, si t'as besoin de moi, hésite pas. Ouah, ça sent fort ici. Ah, désolé, c'est moi. Oh, il y a trop de poussière ici. Ça vous dérange pas, j'attends dehors. En plus, c'est tellement étroit que je vais m'éclater la tête en essayant de passer. Ah, trop bien, des caisses. Yes, plus qu'à tout ouvrir. Et avec quoi? Bah, un pied de biche. Où est-ce que t'as trouvé ça? Chut, secret des... Dans le gymnase, il y en avait dans la remise. Oh, spoil pas. Ok, et plus inquiétant, qu'est-ce que tu fous avec un pied de biche sur toi, en fait? Bah, au cas où on est des caisses à ouvrir, alors heureusement que je suis là. Ouais, bon, ouvre-nous les caisses. Hop. Oh putain! T'as trouvé quoi?
Le Saint Graal, oh putain, vite, une autre caisse. Y'a que ça, super. Ah, des bouteilles d'alcool. Whisky, bière, vodka, y'a tout, c'est génial. Bon, bah Johnny, j'ai une mission de la plus haute importance pour toi. Ouais? Ouvre toutes les caisses et regroupe toutes les bouteilles. T'inquiète pas pour ça, Gadjo. Parfait, bon, salut. T'es content de le manipuler? Tu vois, le met partout. C'est clairement quelque chose qui lui fait plaisir, on s'épargne du temps à ne trouver que de l'alcool. Ouais, tu marques un point. Après, c'est pas comme si on avait autre chose à faire. J'ai bien envie de retrouver Jacques et Kuro, possible qu'ils nous trouvent des trucs intéressants. Sauf que t'as une idée d'où ils sont partis? Aucune. Autant les attendre dans la cafétéria, ça va être l'heure de manger. Qu'est-ce que tu me veux? Comment t'as vu que j'étais là sans lever la tête? Y'a des gens qui se tuent entre eux et tu crois que je suis pas sur mes gardes? Ouais, bon, écoute. J'ai besoin de ton expertise. Mon expertise? Oui, ton expertise. Eh bah, tu vas le cracher le morceau, on dirait une femme qui sait pas ce qu'elle veut. Pardon. Non, t'inquiète, on se comprend. Non, justement, je te comprends pas, là. Bon, bref, t'es l'ultime cinéaste. Il serait peut-être temps que tu le saches. Non, mais je sais, j'ai pas un cuit d'huître, mais t'as pas quelques petites perles à me filer pour passer le temps? Oula, alors, soit tu m'as pris pour un pêcheur, soit on s'est mal compris. Un pêche... quoi? Non, mais il sait pas de noyer le poisson. Je sais bien de quoi je parle, ça fait 2 semaines que j'ai pas vu de sirène, et même s'il n'y a pas de thon dans ce vivier, il me faudrait quelque chose pour calmer la tempête. Mais bordel, j'ai l'air d'un breton en caoué jaune, moi! Non mais ça va, je vais pas te faire un dessin non plus. Bon allez, fais croquer, sérieux. Je suis sûr que t'as des œuvres du 7ème art qui sont faites pour moi. Bon, et après ça tu me fous la paix? Promis. Et au milieu coule une rivière, 1992. Merci. On parle bien de la même chose, là. Mais oui, c'est bon, je suis pas débile. Tiens, je te donne même le synopsis. Un pasteur du Montana inculque à ses 2 amis sa passion. Une distraction qui saura toujours réunir Amélie et Théo, que la vie aura éloigné pendant de nombreuses années. Jusqu'à leur retrouvaille... Ok, ça me va, merci chef. Eh ben, il y en aura qui n'aura pas perdu son temps. Manquerait plus que les tons l'excitent. Oh, salut les potes, comment ça va? Mal et toi? Tu vas? Ça demande comment ça va et si je réponds pas oui, impossible de répondre. C'est de la politesse, et forcément c'est compliqué de s'adresser. Non mais je suis pas venu ici pour des cours de sociaux, ok? Vous avez trouvé le cinéma? Ouais, il est vers ce qu'on croyait être un métro derrière le tank. Kuro y est resté pour voir le matos dispo. Mais par contre, y a aucun bon film, quoi. Juste pour me faire peur, par bon film, tu veux dire quoi? Bah, les profs, les tuches, à la 2, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, donc doit y avoir des bons films. Sinon, t'as trouvé des trucs intéressants pour sortir d'ici? Bah, des caméras, mais du chèque d'avant, et des mégaphones. Oh, je sais, on a qu'à utiliser mégaphone pour qu'on nous retrouve. Vu le bruit qu'a dû faire l'avion en tombant, quelqu'un serait déjà venu s'il y avait du monde aux alentours. Mais on peut faire plus de bruit que l'avion. On fait comme Bart dans les Simpsons, en alignant les mégaphones. Il suffit juste de trouver un bruit de basse très fort pour... Ah ouais, lourd, comme celui-là. Les grands esprits se rencontrent. Oh, parents de grands esprits, j'ai trouvé un billet d'avion sous une des caisses. Il est où le rapport avec les grands esprits? Aucun, mais je trouvais ça classe comme phrase. Bon, j'ai l'honneur de vous annoncer que le soldat Ivan possède un billet d'avion. Origine de Chartres. J'habite en effet pendant cette ville. Bon, bah avec la logique pour le coup, t'es pas le traître. Félicitations. Notre raisonnement te déplairait donc? Est-ce que votre raisonnement est beaucoup trop simpliste? Avec son billet, vous voulez faire quoi? Faire buter le premier mec qui a pas de billet? Nice. Tu dis ça juste parce que tu n'as pas de billet à ton nom. T'as peur de devenir une cible facile. Que je sache, les deux ayant pondu cette théorie n'ont pas de billet à leur nom. Et est-ce que c'est un problème? Ça rend plus crédible notre théorie si on se considère suspect dedans, non? Et qu'est-ce qui nous dit que vous avez pas pondu cette théorie juste pour être cru, et puis, dans 2-3 jours, tiens, comme par hasard, on trouve vos billets? On peut en faire des théories avec des si. Un point pour Polo. Tu peux aussi démentir cette théorie, car tu sais pertinemment qu'on retrouvera jamais ton billet d'avion. Par pure logique, tu es le suspect principal, donc l'arme même pas trop. Pardon?
Et pourquoi ça? Pas de billet non plus, et surtout pas de talent. Félicitations, tu réfléchis donc comme Johnny. Est-ce que c'est réellement un problème de pas m'en souvenir? Nos ravisseurs l'ont probablement fait exprès. Ah oui, ah bah, alors, sans nous parler de ton talent, tu te souviens de ta vie avant d'être ici? Car comme pour la plupart d'entre nous, tu devais sûrement faire des choses en rapport avec ton talent. Et sauf erreur de ma part, on se souvient tous de notre passé après notre enlèvement. Et toi, petit Léo, parle-nous de ton passé. Pour ce qui est de l'enlèvement, je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Mais j'en ai des vagues souvenirs depuis 2 jours. Je n'osais pas en parler. Eh merde, moi qui croyais être unique. Bon, Polo, Johnny, Jacques, pareil je présume. Bon, et toi Léo? Ah, pas pareil hein. Alors ok, j'ai d'énormes trous de mémoire et j'ai uniquement de brefs souvenirs, mais sans rapport avec un travail. Et en effet, je ne me souviens pas de comment je me suis fait enlever. Mais c'est pas une... Oh que si, c'est une raison. Donc mon avis sur toi est définitif. Je n'essaierai pas de te tuer, mais veille à pas trop m'approcher. Ah, salut. Juste un conseil, n'allez pas au cinéma dans l'heure qui suit. Enzo est en train d'y regarder un bon film, faudrait pas le déranger. C'est quoi votre tronche de déterré? J'ai raté un truc? Non mais tout va super bien, t'en fais pas. Mais si tu me vois plus adresser la parole à certaines personnes, c'est normal. Salut. Ouais, j'ai vraiment raté un truc. Bref, je viens juste prendre à emporter, je vous dérange pas longtemps. Attends, t'as rien vu de plus au cinéma? Hormis un nombre incalculable de petits films très peu connus et du matos pas très récent pour filmer, rien du tout. Ce cinéma est tout ce qu'il y a de plus normal, si on nommait le fait qu'il soit sous terre et donc sans fenêtre ni issue de secours. Les lieux découverts n'ont réellement aucun intérêt. Car un gymnase et un vieux grenier, ça avait de l'intérêt? Chacun y trouve un intérêt pour changer les idées. Peut-être que tu ne souhaites que trouver des indices pour te divertir, mais moi quitte à rester enfermé ici, autant me trouver une vraie occupation. Et tout le monde ici devrait faire pareil. Bon, sur ce, je prends ça et je vais manger ailleurs. J'ai bien une idée d'occupation, moi. J'ai récupéré 2-3 petits souvenirs de mon enquête aléatoire, je vais aller t'inspecter ça, ça va pas traîner, je te le dis. Ivan, ça ne va pas? Ça pourrait aller mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'est pas évident. La situation actuelle me dépasse complètement. Je comprends. Tu sais, si tu as besoin, tu peux tout me dire. Je suis... On est là pour toi. Je me sens complètement inutile au milieu de tout ça. Comment ça, inutile? Mon devoir est de protéger tout le monde. Et là, je ne dois pas me contenter de laisser mourir les autres un à un sans pouvoir rien faire. Tu sais, ça sert à rien de te mettre dans cet état. On est tous impuissants face à Modobloom. En attendant, 4 d'entre nous sont morts. Et je... Tu n'y es pour rien, je te dis. Reprends-toi. Si tu veux vraiment nous protéger, il faudra redoubler d'efforts pour pouvoir sortir d'ici. C'est le seul moyen de sauver tout le monde. Tu as sans doute raison. M'apitoyer sur le sort des défunts ne me fera pas avancer les choses. Il faut que je me concentre sur les vivants pour avancer. Si tu veux, on peut faire des recherches ensemble pour avancer plus vite. Au lieu de juste se retrouver le soir pour parler des trouvailles. Avec grand plaisir. Ça te dit de fouiller à l'hôtel? De quoi, l'hôtel? Nous? C'est le plus logique. Johnny y a trouvé un passage par je ne sais quel miracle. Ça veut dire qu'on n'a pas assez bien cherché la dernière fois. Oui, excuse-moi. Le passage de l'hôtel, évidemment. Écoute, Simba, je vais juste prendre un petit truc à la cafétéria et j'arrive. Ok, je pars devant et on se retrouve là-bas. Tu veux pas m'attendre au cas où? Très bien, je t'attends là. Merci. Ça va pas, Polo? Si, si. Arrête, je te crois pas, il s'est passé quelque chose pendant mon absence? Bah, Maxime? Il s'en est pris à quelqu'un? Un peu tout le monde, mais surtout Léo. Il va bien? Pas trop de mal? Bah, c'est Léo, c'est pas ce genre de pic qui va l'atteindre. Un pic? Il a essayé de l'empaler? Ah, pas quoi? Non, mais il s'en est pris à Léo verbalement, pas physiquement. Je vois mal Maxime en arriver aux mains. Bah, enfin. Il s'en est pris à toi? Non, pas moi. Enfin, je veux dire, c'est que... Bah, je vais avoir des problèmes si ce qu'il a essayé de faire se sait. Il n'en saura rien, dis-moi tout. Alors pour faire simple, il a failli tuer Kuro il y a quelques jours, sauf que j'étais témoin de la scène, donc il a renoncé.
Vraiment? Ce n'était pas juste une menace ou une mauvaise interprétation de ta part? Non, je ne crois pas, hein. Il avait l'air bien sérieux et la situation laissait peu de place au doute. Mais du coup, je comprends que tu nous aies rien dit par peur de représailles. Mais Kuro, lui, pourquoi il n'a rien dit? Aucune idée. Il devait avoir ses raisons. Le plus important pour le moment, c'est Maxime. Car s'il s'en prend à nous physiquement également, ça peut qu'empirer la situation actuelle. Mais on pourrait le surveiller constamment pour éviter que ça n'arrive, non? Après tout, il s'est arrêté Kuro à partir du moment où il a remarqué ma présence. En faisant ça, il ne se limiterait qu'au mot. Et bah ça, c'est une arme que l'on peut utiliser aussi. Je n'en suis pas sûr. Tu as bien vu Alexia, répondre à ses provocations ne fait qu'empirer la situation et dégrader l'ambiance générale. De plus, il a souvent raison, même s'il n'y va pas de même ordre avec sa façon de nous le faire savoir. Oh, une ambiance comme celle-là ne ferait qu'aggraver les choses, hein. Il faut juste trouver les bons mots et ne pas réagir au quart de tour comme Alexia. Il faut lui répondre calmement. Je suis même sûr que ça le marquerait plus de ne pas réagir à ses provocations plutôt que de faire des reproches. Improviser calmement face à lui, je ne suis pas sûr que ça soit simple. Ah, je peux m'en charger, hein. J'ai trouvé les bons mots face à une personne une fois que je l'ai cerné. Eh ben, comme ça on est deux à savoir s'adresser aux gens. Ah, Justine, Ivan. Besoin d'aide pour remonter le moral à quelqu'un? Non, pas trop, c'est plus pour s'adresser à quelqu'un et lui faire remarquer certaines choses avec tact. Ah bah là, c'est pas pour moi, je préfère le franc-parler en général, c'est bien plus efficace que pour créer des liens. En effet, mais là c'est plus de la thérapie qu'il faudrait vu la cible. Et c'est quelque chose que tu es sûr de réussir? Bah à défaut d'être pas chanceux, j'ai un don pour m'adresser aux gens. À la base je devais être ultime thérapeute, mes dossiers le mentionnant étaient erronés et quelqu'un d'autre a obtenu le titre. Tu avais réellement un vrai talent. Enfin, je remets pas en cause ton talent actuel, mais... Oh, t'inquiète pas, tu peux le dire, hein. Même moi, j'aime pas ce talent, il sert strictement à rien. À part jamais s'ennuyer. Car je sais jamais ce qui peut m'arriver. Bon, moi, ça met de l'ambiance dans ma vie, hein. Et puis, c'est un ultime comme un autre, après tout. On peut dire que tu as eu de la chance d'avoir un ultime. Ouais, alors, comment dire, c'est pas vraiment le cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, n'ayant jamais reçu mon titre de thérapeute, avec ma malchance, il a été décidé de créer le titre d'ultime malchanceux, qui jusque-là n'existait pas. La création de cet ultime est en quelque sorte une façon pour me nommer ultime suite à l'erreur. Mais lors de l'attribution des ultimes, impossible de me le décerner. À chaque fois, un événement venait perturber la cérémonie, que ce soit la météo, les transports, un malade... Mais du coup, personne n'a obtenu le titre, donc c'est comme s'il était à toi. Bah non, justement, car ils ont essayé de le donner au deuxième plus malchanceux. Un japonais, il me semble. Mais lui, il a fini à l'hôpital après une intoxication alimentaire. Mais comme ils lui ont donné le titre, c'est impossible de revenir en arrière. Donc au final, tu n'as aucun ultime alors que t'en mérites deux. Bon, de point de vue officiel, je n'en ai pas, voilà. Mais je sais que j'ai ces deux talents. En soi, j'ai de la chance d'avoir la qualité des deux ultimes grâce à ma malchance, hein. C'est bien de positiver là-dessus. Et puis repense à tout ce que ta malchance t'a apporté comme chance ici. C'est-à-dire? Lors du procès pour Paul, tu as trouvé un passage. Lors de celui de Luigi, tu n'as pas vu Angel, ce qui a permis de le piéger. C'est vrai ça. Et en plus, tu as trouvé le billet au nom d'Alexia grâce à ton talent. Et tu as également la chance de n'avoir eu aucun mobile ne fonctionnant sur toi. Mais c'est vrai, ça pas de proche en otage, la sécurité de ne pas me faire exécuter pour rien, que des mobiles qui fonctionnent pas grâce à ma malchance. Et puis j'ai sauvé la vie de Kuro en étant au mauvais endroit au mauvais moment. Sauver la vie de Kuro? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez compliqué, je... On va dire qu'un drame a été évité de justesse grâce à Raph. Bah tu vois, heureusement que tu possèdes ce talent finalement. Il va probablement tous nous sauver sans que tu t'en rendes compte. Ah, ça me touche ce que vous me dites. Personne n'a jamais apprécié mon talent. Je pensais qu'il servirait qu'à me faire souffrir rester seul. Merci les amis. J'ai passé une bonne fin de journée grâce à vous. Bon, on n'a rien trouvé d'autre. Bien au contraire, on sait où est le passage menant à la chambre de Johnny, et on sait également qu'après avoir fouillé de fond en comble cet hôtel, qu'il n'y a plus rien d'autre. C'est quand même bizarre qu'on ne l'ait pas vu la première fois. On avait quand même passé une heure à fouiller chaque pièce séparément. Hé Raph, autant voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Sauf qu'au final, il t'en manquera toujours la moitié. Rabat-joie. C'est mathématique. Ah, et en parlant de la moitié, j'ai réussi à ouvrir l'autre moitié de la salle info. T'as trouvé le code? J'ai un talent, moi, monsieur. Bref, vous ne devinerez jamais où mène cette porte. Dans la salle où l'avion est à moitié encastré? Hein? Eh. J'analyse, moi, monsieur. Bref, y'a quoi? Une petite pièce en ruine avec une autre porte à code. Mais pour ce qui est de l'avion, y'a des débris empêchant de rentrer dedans, sans se faire mal, donc j'y rentre même pas en rêve. Sans se faire mal? Tu veux dire c'est tout de même possible? Ouais, un homme normalement constitué doit pouvoir y accéder. J'essaierai demain.
Ah non, fais pas ça, tu risques de te blesser. Je suis soldat, les parcours de combattants j'en ai fait, ne t'inquiète pas pour moi. Mais... Si ça peut te rassurer au moindre risque, je n'y vais pas. Merci, je préfère. S'il faut, on trouvera une échelle ou un truc du genre pour y accéder à cet avion. Mais personne n'y risque sa vie, compris ? C'est vrai qu'une échelle ne serait pas une mauvaise idée. On en cherchera une demain, il se fait tard. Allons manger avant 21h. Bonne app, moi je me tire. T'as besoin d'un truc ? Pas immédiatement, mais pour demain, j'ai un truc assez important à vous montrer. Faudrait qu'on aille au niveau de la carcasse de l'avion. Ça a un rapport avec la pièce que Maxime a ouverte ? Indirectement, oui. Tu ne veux pas m'en parler tout de suite ? Surtout pas. L'intérêt est que seulement vous trois voyez ça. Ok, bah à demain alors.